Bonjour, bienvenue à Ramatuelle. Alors nous sommes aujourd'hui avec Mathieu Tarot et on vient de voir son dernier film, on a adoré. Rebelle, véritablement, une énergie, un scénario où on ne dort pas une minute. Mathieu, c'est ton deuxième film en un an, c'est ta deuxième avant-première à Ramatuelle, ton pays. Comment te sens-tu ? Très bien, moi j'adore entendre le public réagir avec enthousiasme comme ça. Et en effet, en ce moment je produis deux films par an et ça fait deux avant-premières, soit à Ramatuelle, soit à la Croix-Valmer, mon pays, l'endroit où est le vrai public, le public que j'aime. Alors pitche-nous ce film. C'est l'histoire de trois ouvrières dans le Nord, dans une usine de poissons, qui un jour découvrent dans un vestiaire un paquet de pognon. Oui, exact. Alors, il y a quand même des scènes assez crues, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, qui ne sont pas sans rappeler le cinéma de Tarantino, disons-le. C'est très bien de dire ça, parce qu'en effet, on peut dire que c'est le Kill Bill à la française. Moi, je déteste dire que c'est un film américain à la française, ça fait toujours catégorie B. Oui. Mais en réalité, il y a cette inspiration-là. Il y a en effet l'inspiration aussi des frères Cohen. Exact. Et d'un certain cinéma britannique, genre Trainspotting. Mmh. Donc, si on arrive à faire ça en France, eh ben, c'est que tout à coup, on va modifier la donne. Alors, beaucoup d'énergie, effectivement. Yolande Moreau dans le rôle de Uma Thurman, c'est inattendu. En tous les cas, trois femmes extrêmement attachantes qui font la Nicomèque d'une certaine manière, surtout au macho. Et je dois dire, effectivement, des scènes, on ne vous dit rien, qu'on a peu l'habitude de voir. C'est des héroïnes du quotidien, en fait. Yolande, quand elle a vu le film, elle m'a dit « c'est formidable, parce qu'en fait, ces filles, ce qu'elles veulent juste, c'est mettre un peu de pognon dans les épinards. » Exactement. Et en fait, c'est ça. Alors, Mathieu, tu passes combien de temps à Ramatuelle ? Je suis là environ une semaine sur deux, quoi, presque. Très bien. Tu vas pas être un peu plagiste, d'ailleurs, cet été ? Ah non, pas plagiste. Producteur, toujours. Mais en manche, on aime toutes les plages, mais il y a des plages qu'on préfère à d'autres. Très bien. Ben, je pense qu'on va s'y croiser, parce que nous aussi, on adore Ramatuelle. On a grand plaisir à te retrouver en maillot de bain ou dans une petite tenue plus habillée. Merci, en tous les cas, de nous gâter, puisque à chaque fois, nous avons droit à une avant-première et nous serons fidèles à tes rendez-vous. Merci Mathieu. Et merci à Global TV qui est présent à chaque fois. Enthousiaste, le grand sourire, enfin la meilleure des TV du monde.